Mission Eau pour tous dans la sous-préfecture de Séchi. Mesdames et messieurs, il faut que l'eau jaillisse en abondance pour la population de cette sous-préfecture de Séchi. Un cri de joie de Madame la sous-préfète de Séchi, entendu ce vendredi 5 juin de cette année 2020. Un cri de joie qui restera à jamais dans la mémoire collective des populations de Séchi, du grand département d'Abouville et par extension dans la mémoire collective des populations de la Niébi-Tchassa. Un grand cri de cœur, un grand cri de joie entendu ce jour, c'était au cours de la consultation générale des populations de cette sous-préfecture de Séchi pour la construction d'un château d'eau. Une consultation, dira-t-on, commodo et incommodo des populations ce jour en présence de Monsieur le préfet des régions, préfet du département d'Agboville, M. Sendou Koulibaly, qui a tenu être bien présent à cette autre action de développement du gouvernement, disons du président de la République, pour être bien plus précis, dans cette contrée de Séchi, dans le département d'Agboville. Mesdames et messieurs, il est 10h. Le représentant légal du président de la République dans le département d'Agboville, M. Sendou Koulibaly, foule alors le sol du chef-lieu de la sous-préfecture de Séchi. Une foule composée des responsables et des représentants des populations de la sous-préfecture de Séchi va venir l'accueillir. On accueille alors ainsi l'honorable hôte du jour. C'est à l'esplanade de la sous-préfecture. Après cet accueil, Monsieur le préfet de région, préfet du département d'Agboville, va accorder une audience aux responsables de la DD Consulting Afrique venus pour cette mission de consultation en prélude aux grands travaux de construction de ce château d'eau voulu et décidé par le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Une audience pour les civilités d'usage et échange avant la rencontre des populations dans la salle de réunion et de mariage de la sous-préfecture. Il est 11h. La délégation conduite par le préfet de région, préfet du département d'Agboville, va faire son entrée dans cette salle sous les applaudissements bien nourris des populations qui ne tiennent pas vraiment cacher leur immense joie à l'annonce de cette autre bonne nouvelle du siècle, dira-t-on, dans le département, disons, dans cette contrée. Oui, mesdames et messieurs, après le bitumage de la route qui les relie, à Rubino et au chef-lieu du département de la région, Agboville, la capitale de la Niébi-Tchassa. Au nom de ses administrés, madame la sous-préfète de Séchi a dit bienvenue, un grand bienvenue et un grand merci à monsieur le préfet des régions, préfet du département d'Agboville pour sa visite de travail à Séchi dans le cadre de cette opération de consultation générale des populations qui annonce alors des grands travaux, d'autres grands travaux du gouvernement dans le département. Une présence effective qui vient rehausser l'image de l'opération, fortement alors heureuse et émue, madame la sous-préfète va laisser entendre « Il faut que l'eau jaillisse en abondance pour la population de cette sous-préfecture de Séchi ». Alors voilà un cri de joie qui en dit long sur la longue année d'attente des populations de Séchi. Ce que laisseront, mesdames et messieurs, entendre les présidents des mutuelles de développement des villages de Séchi et les chefs de village de cette sous-préfecture présents pour cette cérémonie de consultation. Présents, dira-t-on, pour cette consultation. Population de la Niébi-Tchassa, voilà les preuves que le gouvernement travaille pour vous. Voilà la preuve matérielle et suffisante que pour dire que le gouvernement et le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, se soucient de votre bien-être, du développement de votre région. Tels sont alors les propos du préfet des régions, préfet du département d'Agboville, M. Sendou Koulibaly, qui a eu une fois encore l'occasion à saisir, mesdames et messieurs, disons cette occasion, pour appeler les fils et filles de la Niébi-Tchassa à entendre raison, à écouter et comprendre le message de paix, de convivialité, de fraternité, de cohésion sociale pour une nation ivoirienne plus forte et engagée, résolument engagée et tournée vers son émergence. Trêve de commentaires, mesdames et messieurs, venons-en donc aux images de notre envoyé spécial à Séchi pour la couverture de cette consultation populaire. Mademoiselle Anne Firial, pour vous faire vivre l'événement comme si vous y étiez encore. Mais bien avant, permettez-moi de vous dire que ça a été un réel plaisir d'être chez vous, avec vous, sur votre plus petit écran, une fois encore, grâce à la magie des ondes et au génie des nouvelles technologies de l'information et de la communication. À bientôt pour un autre numéro du Grand Reportage, seulement si Dieu le veut.
Ce matin, nous sommes là pour l'étude d'impact environnemental qui va être diligentée par le cabinet GD Consulting. Ils sont là, Madame la directrice, Madame Delomo est là avec son collaborateur, Monsieur Kouvi. Et ils ont fait la mise en place avec nous parce qu'ils vont faire une projection. Et donc, ils sont arrivés un peu tôt. Vous aider à faire la mise en place. Et donc, on vous attendait avec toute la délégation. Je signale aussi la présence des mutuelles de développement qui effectuent le déplacement depuis Abidjan. Et donc, pour la circonstance. Je voudrais vous dire merci. Nous sommes sur les sentiers du développement. Vous savez, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire résolument rentre dans les grandes nations. Où aujourd'hui on ne peut rien faire sans tenir compte de l'environnement. Nous sommes dans le développement durable qui nécessite que pour tout acte, pour toute action de développement, il est important de tenir compte de la durabilité. Parce que le développement ne peut se faire réellement que dans la durabilité. Un développement temporaire n'est pas à conseiller. Et c'est pourquoi nous sommes venus avec le secrétaire général de la préfecture et l'ensemble des directeurs concernés par le projet de regarder la faisabilité de ce projet. Donc nous mettons à votre disposition l'instant d'une journée. Votre temps sera notre temps. Je vous remercie. Nous n'allons pas mobiliser toute votre journée. On va prendre peut-être environ 2 heures. Et après, notre programme va s'étendre sur le terrain parce que nous avons des mesures à faire. D'accord. Sur le site d'identifier. Donc là, c'est une cérémonie de consultation publique. D'accord. Comme la loi le demande. On se réjouit de votre présence parce que ça donne encore une valeur à cette cérémonie. Papa que les gens j'ai l'intérêt et moi que les gens j'ai oublié qui va couper. Mignon ou et leur corser. Monsieur le préfet de région, préfet du département d'Abidjan, Madame le secrétaire général de la préfecture d'Abidjan, Madame la directrice générale du cabinet de déconsulting, Messieurs les directeurs généraux, Messieurs les chefs de service. Honorable chef traditionnel et guide religieux, Monsieur le commandant de brigade de la gendarmerie de Rougido, Monsieur le président de mutuelle de développement de la sous-préfecture de Séchi, honorables invités, Mesdames et Messieurs, c'est pour moi un réel plaisir que de m'adresser à vous ce matin au nom des populations de la sous-préfecture de Séchi pour vous souhaiter la cordiale bienvenue. L'événement qui nous réunit aujourd'hui est pour nous d'une grande importance. Il s'agit de l'impact d'études environnementales
relative à l'adduction d'eau de la localité. Monsieur le préfet de région, lors de ma prise de service à la tête de la circonscription administrative de Séchi, ayant effectué des tournées dans toutes les localités, j'ai pu constater que les populations sont confrontées à un réel problème d'accès à l'eau potable. Elles sont obligées parfois de parcourir de longues distances à la recherche d'eau pour la survie de leur famille. Face à cette situation préoccupante, des doléances me sont régulièrement transmises par les chefs de village et de campement, doléances qui n'ont pas trouvé jusqu'à ce jour des solutions idoines. C'est pourquoi les populations se réjouissent ce matin de la présence du cabinet 2D Consulting Afrique, mandaté par l'État de Côte d'Ivoire pour mener la consultation publique relative au programme dénommé Eau pour tous. En effet, ce projet constitue pour nos populations un soulagement et sa concrétisation va permettre de relever le niveau de la qualité du service d'eau et d'améliorer la santé des populations par les changements de comportement en matière d'hygiène et d'assainissement. Monsieur le préfet, mesdames et messieurs, je souhaite, pour terminer mon propos, que l'eau jaillisse rapidement et en abondance pour le bonheur des populations. Je vous remercie. Monsieur le préfet de la région d'Anibi-Kiassa, préfet du département d'Abobi, madame la secrétaire générale de la préfecture d'Abobi, madame le sous-préfet de Séchi, madame la directrice du cabinet DD Consulting, vénéré chef régional et responsable de communauté et guide religieux, mesdames et messieurs, les directeurs et chefs de service, honorables invités, en vos rangs grades et qualités, tout protocole respecté. Mesdames et messieurs, je vous salue. C'est un honneur pour moi de prendre la parole pour vous présenter le programme Eau pour tous, qui est un ensemble de projets dont l'objectif est de permettre l'accès à l'eau potable à toutes les populations de la Côte d'Ivoire, sans exception. C'est dans ce cadre que le projet de l'adduction d'eau potable dans les sous-préfectures de Séchi et Bakobo dans la région d'Anibi-Kiassa nous réunit ce jour. Le programme Eau pour tous comprend deux volets. Le volet réparation, réhabilitation et maintenance des pompes à motrice humaine et le volet de l'hydraulique urbaine. En vue donc de résorber les déficits de production d'eau potable partout en Côte d'Ivoire et de corriger le taux de dysfonctionnement des réseaux de distribution, l'État a identifié des projets structurants dans le cadre du programme Eau pour tous. Traduction du plan d'action prioritaire PAP 2017-2020 élaboré par le gouvernement lors de son séminaire des 10 et 13 avril 2017. Ces projets d'un coût total de 1 320 milliards de francs CFA permettront de porter le taux d'accès à l'eau potable de la population à 95% en 2020. Le projet va s'exécuter en deux phases. D'un coût de 80 milliards, la phase 1 de ce vaste programme s'attachera à prendre en compte certaines préoccupations urgentes, entre autres les chefs-lieux de sous-préfecture. Sur 510 sous-préfectures constituant les entités administratives, 200 chefs-lieux ne disposent pas encore de système d'hydraulique urbaine. La réalisation d'adduction en eau potable pour ces chefs-lieux de sous-préfecture est une impérieuse nécessité. 95 chefs-lieux de sous-préfecture non encore équipés de système d'eau potable en seront équipés dans la phase 1 du programme que, je rappelle, le coût de l'opération est estimé à 90 milliards de francs CFA. C'est donc dans ce cadre de la réalisation de la phase 1 que les sous-préfectures de Séchi et Bakobo ont été choisies dans la région de l'Anibi-Kiassa. Et c'est ce projet qui nous réunit ce matin à Séchi. Je vous remercie. La présentation va se dérouler d'abord par la présentation du contexte, la présentation du projet, l'étude d'impact en elle-même, qu'est-ce que c'est,
la consultation publique, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui l'oblige et comment ça va se dérouler, et enfin une conclusion. Concernant le protest, le DL a mentionné, le programme Pro pour tous couvre la période de 2017 à 2020 et vise 217 chefs-lieux de soutien pour un projet d'adduction en eau potable par système hydraulique urbaine. Et la phase 1 va concerner 95 chefs-lieux de sous-préfecture. Et la réalisation de ce programme va se faire par tranche de 30 AEB par an sur 3 ans pour pouvoir absorber l'ensemble des 95 qui concernent la phase 1 du programme. Alors, ça va contribuer à augmenter le taux de couverture en eau potable de la Côte d'Ivoire et réduire tout ce qui est un problème d'adduction en eau potable dans le pays. Alors, ce genre de programme nécessite la réalisation d'études d'impact environnemental et social dont le processus passe par une consultation des populations, c'est ce qu'on appelle la consultation publique. Et c'est cette consultation publique qui nous réunit aujourd'hui. Alors, l'étude va se faire en conformité avec les institutions financières internationales telles que la SFI et aussi en conformité avec la réglementation nationale, notamment à travers le ministère de l'Environnement qui va se charger de valider le rapport d'étude d'impact à l'Agence nationale de l'environnement. Alors, le projet, c'est quoi? Pour ce qui concerne la localité de Séchi, c'est un projet d'alimentation en eau potable par système hydraulique urbaine, c'est-à-dire un captage qui peut être un forage qui est privilégié et pour certains cas, ça peut être une eau de surface qui est prélevée. Donc ça, c'est le captage. Après, il y a la station de traitement. Donc une fois que l'eau est prélevée, il y a une petite station de traitement, un traitement standard pour l'eau souterraine, c'est pas compliqué. Et enfin, le réservoir de stockage qui est le château. Donc sur l'image, on voit une illustration de château qui peut être construit. Donc les différents types de châteaux qui ont été prévus, il y a ce type en acier et un autre type en béton. Donc les deux options sont analysées et en fonction de la localité, on construit l'ouvrage qui est mieux adapté. Et la capacité du réservoir aussi est fonction de la taille de la localité. Donc le volume standard, c'est 50 m3. Mais si la sous-préfecture compte beaucoup plus d'habitants, ce volume sera réduit à la hausse. Alors, l'étude d'impact se fait conformément au décret national numéro 96-894 du 8 novembre 96 qui détermine les règles et procédures des études d'impact. Alors, comment va se dérouler? L'objectif de l'étude d'impact, c'est d'abord d'identifier et analyser les impacts du projet sur l'environnement biophysique et humain. Donc on s'inscrit là dans un contexte de développement durable, c'est-à-dire on fait des projets de développement mais ne pas nuire à l'environnement pour garantir la durabilité de l'ouvrage par exemple. Alors, une fois qu'on a identifié et analysé les impacts, on propose des mesures d'atténuation pour les impacts négatifs et des mesures de bonification pour les impacts positifs. Et on élabore un plan de gestion environnementale et sociale pour prendre en compte l'ensemble des impacts identifiés. Alors, l'organisation du milieu se fait en conformité avec, je l'ai dit tantôt, la réglementation nationale et les standards internationaux. Parce que les bailleurs sont des partenaires financiers internationaux. Alors, les étapes de réalisation de l'EIS, on commence par la prise en compte, la prise de connaissance du projet. Ensuite, on établit la mission et on réalise des missions de collecte de données et de consultation publique. Donc là, nous sommes à cette étape, à l'étape 3, la réalisation des missions de collecte et de consultation publique. C'est-à-dire, après la cérémonie, nous avons collecté les données dans la localité concernée par le projet et même des mesures sur le site du projet. Donc, une fois que tout ça est connu, on fait l'évaluation des impacts
Ensuite, on propose des mesures pour faire le plan de gestion des risques des accidents liés aux activités lors de la construction, par exemple, des accidents de travail qui peuvent arrêter, les travaux en hauteur et tout ça. On prend en compte ces événements dans l'étude d'impact. Et après, on élabore le plan de gestion et tout ce temps est compilé dans ce rapport d'étude d'impact. Et durant tout le processus, il y a l'engagement des parties prenantes, c'est-à-dire qu'il faut toujours impliquer la population dans les démarches de l'étude pour que le projet soit d'abord socialement acceptable par la population et aussi prendre en compte tout ce qui est préoccupation et avis des populations locales. J'arrive à l'étape de la consultation publique. Donc, comme je l'ai dit, la consultation publique répond à des obligations légales. C'est-à-dire, la réglementation dit, pour réaliser une étude d'impact, il faut consulter la population. C'est une obligation. Si on ne fait pas cette étape, notre étude ne sera pas validée. Donc, il faut que la population soit informée du projet, comprenne qu'est-ce que le projet va apporter, quels sont les impacts négatifs ou positifs que le projet va avoir sur la population et sur l'environnement. Donc, tout cet ensemble-là est dicté par la loi. D'abord, le code de l'environnement. Ensuite, les différents codes sectoriels, par exemple le code de l'eau, qui souligne certains principes. Ensuite, il y a aussi le décret 1996, que j'ai cité tout à l'heure, qui précise aussi des aspects liés à la consultation des populations. Donc, une fois que le projet est présenté à la population, lors de la consultation publique, la prochaine étape, c'est des séances d'échange. C'est-à-dire, une fois que j'ai fini cette présentation, nous allons discuter sur le projet, le contenu. En tout cas, il y aura un débat, des échanges, où vous posez vos préoccupations, des questions de compréhension, et on apporte des éclaircissements, on se comprend, sur ces aspects. Après, on va administrer les questionnaires. Donc, ce sont des guides d'entretien pour avoir votre avis sur le projet. Donc, tout ça, c'est reporté sur des fiches qu'on va reverser dans le rapport d'études d'impact. Pendant l'administration des questionnaires, nous allons rencontrer les jeunes, les femmes et les personnes vulnérables par petits groupes. Donc, on va rassembler les jeunes dans la même salle, mais quelque part, pour nous entretenir avec les jeunes, les femmes d'un côté, et on entend par personnes vulnérables les personnes handicapées, les personnes âgées et les veuves. Voilà. Donc, on va recueillir les avis de ces personnes. Et après, on établit un procès verbal de la consultation publique signé par. Ici pour Séchi, ça sera signé par Madame le sous-préfet. Et on prend des photos. À cause de la maladie, on ne peut pas faire des photos de groupe. Mais déjà depuis dans la salle, on prend des photos parce que tout cela doit être documenté et reversé au rapport. Donc c'est pourquoi vous voulez prendre des photos. Alors, pour conclure, petit que nous comptons sur la bonne participation de tous. J'ai vu qu'il y a certains qui sont là depuis peut-être avant 8 heures. Donc, c'est parce qu'ils ont à cœur le projet, ils ont un intérêt, ils ont patienté, ils sont là jusqu'à présent. Donc, nous comptons vraiment sur votre bonne collaboration pour la poursuite des consultations, c'est-à-dire les échanges qui vont venir et l'administration des questionnaires, les différents focus groupes que nous allons organiser. Donc, une fois qu'on a fini ça, nous, on ira sur le terrain pour faire des mesures ce soir avant de partir. Donc, mesdames et messieurs, voilà ainsi présenté le contenu de l'étude d'impact que nous souhaitons faire. Je suis M. Oria Bertin. Je suis le président de la mutuelle de Séchi, de Trenou. Je voudrais, avant qu'on arrive à l'entame des questions à poser, dire toute la joie que les populations de Séchi ressentent pour votre présence. Vous dites merci. Dites merci au président de la République et à son gouvernement, surtout à son premier ministre, qui n'a pas oublié Séchi, qui n'a pas oublié la structure de Séchi. Cela était très important pour nous avant de passer aux phases des questions.
Donc je voudrais, avec votre permission, et au nom de toute la population de la sous-préfecture de Séchi, dire merci à la présence du gouverneur, du préfet de région, et de toute la délégation qui l'a accompagné, et du cabinet d'aide consulté. Vraiment, merci beaucoup. On peut passer aux phases des questions. Inciteur à Bandier 2, fils de Bandier 2. Cette histoire d'eau me tient beaucoup à cœur. Voilà pourquoi aujourd'hui je suis là. En même temps, je vous informe que je suis le secrétaire général adjoint de l'arcade cadre du Bandier. Alors, cette histoire d'eau qui arrive maintenant, je me demande, nous sommes. Bandier est un gros village. Est-ce que cette distribution urbaine, est-ce que Bandier aussi peut avoir accès à cette. À ce projet. Voilà, voici ma question. Il y a eu des problèmes. Mais il nous a été donné comme information qu'à Bandier regorge dans son sous-sol une très grande nappe importante d'eau. C'est une information de passage pour Dédé Consulting. Exploités, ils seront mis en application, telle sorte qu'on puisse accéder directement au chef de l'île. Ça, on va regarder. D'ailleurs, vous les. On va d'abord la question. D'accord. Il y a une autre. Le préfet de région, il y a toute l'équipe présente de vous. Et les monsieur le pasteur Adam Michel, pasteur de l'Université. J'aimerais dire merci au préfet de région, parce que nous, voilà, qui sommes ici aujourd'hui. Ils attendent une seule chose. Le responsable a parlé. Nous, on a compris en termes techniques. Et les termes techniques, on est au village, vraiment, on ne comprend pas trop. Qu'est-ce que le projet veut dire? C'est pour ça que je tenais à dire merci au préfet de région. Il a expliqué, il y a encore des petites nuances que nos parents ici veulent comprendre. Quand ça va commencer, comment ça va se passer, où ça va se passer, et puis combien de temps ça va prendre, nos parents ici veulent comprendre et entendre pour pouvoir vraiment aller avec plus d'espoir dans le cœur. Voici ma préoccupation. On parle de projet d'adduction d'eau. Le démarrage là, c'est-à-dire l'étude est dedans. Il faut faire l'étude, il faut rechercher le financement. Or aujourd'hui, où nous sommes, nous avons le financement. Le cabinet est là. On attend la fin de leur étude pour pouvoir engager la réalisation des travaux. Sans leur étude là, on ne peut rien faire. Donc le cabinet est là, la direction est là. C'est leur étude. Nous attendons pour reprendre, pour commencer déjà les travaux. Attendez, je vais ajouter. Ce qu'il a dit là, le travail a commencé. À partir de maintenant, annoncez la bonne nouvelle. Vous êtes toutes les apôtres du Seigneur. Allez-y, dans le monde, annoncez la bonne nouvelle. Et c'est qui va pas donner. Oui, parce qu'on a commencé. Eux, ils vont venir, on va regarder. Vous avez vu tout à l'heure, vous m'aviez dit, à Bandier, on a une source importante. On est en train d'étudier. Où on va voir la bonne source pour vous donner la meilleure eau possible et qui puisse durer et qui puisse servir toute la population. Que vos 10 km dans l'adduction d'eau, c'est rien. Quand vous prenez à Agoville, le seul château d'eau, vous pensez que c'est 10 km qui peut nous gêner. Ça veut dire à la ronde, vous aurez tous de l'eau. C'est ça notre objectif. Donc à partir du meilleur point, nous allons pouvoir installer le système de traitement, de pompage, de captage d'eau d'abord. Parce que ici, on n'a pas eu l'eau de surface, à ce que je sache. Donc on va aller chercher l'eau au niveau de la nappe phréatique, l'eau dans le sol. Donc on va regarder où on peut avoir beaucoup d'eau dans le sol. Où on peut avoir, c'est pas seulement un seul point. On peut faire plusieurs forages pour alimenter ce château qui va nous permettre d'avoir de l'eau et puis alimenter toute la ville. Donc même Bandier 2 peut être dans ce système. Il n'est pas écarté, il n'est pas exclu qu'il soit dedans. Mais je pense que c'est ce qui va se faire.
Le projet a déjà commencé. Le projet a commencé. Le financement est bouclé. Donc, dès que eux, ils vont faire les. Ils vous ont parlé des calculs. Ils vont regarder les métriques. Ils vont regarder. Dès qu'ils partent, on rentre dans la phase pratique. Vous allez voir des gens qui vont venir, vont commencer à creuser partout pour vous mettre des tuyaux. Trouver le point d'eau pour alimenter. Les canalisations vont s'installer. Vous allez avoir des. Ça a commencé. À partir de maintenant, allez-y dire partout. Que ici, à Séchi, vous allez avoir de l'eau courante dans vos robinets. C'est ça qu'on est en train de faire. C'est bon? Le quartier ici, on n'a pas une bonne production d'eau. Donc, ces recherches-là, on va les faire. Si, effectivement, on a une bonne production, c'est-à-dire si on a un bon débit au niveau du forage, les localités qui sont aux alentours peuvent être, y compris Bagné 2, peuvent être raccordées à ce réseau. Donc, il n'y a pas de souci. J'ai bien dit, l'objectif de Cocotou, c'est de l'eau, ça se dit, à tout le monde. À tout le monde. Il n'y a pas de certitude. À tout le monde. Par motricité humaine, allait être réparée. Ça se fera avant l'installation du grand château d'eau, dont on rêve de voir très prochainement, ou bien c'est quand le château d'eau va être construit que ces différentes pompes dans les différents villages où on souffre énormément de ce manque criard d'eau va se faire. Je voulais comprendre le parallèle entre la faisabilité de maintenant et l'attente. C'était ma question. Le programme Eau pour tous a deux volets. Il y a le volet réparation des pompes, actuellement qui est en cours sur le programme social de développement. Les pompes sont en train d'être réparées. Si chez vous le réparateur n'est pas encore arrivé, vous me signifiez, quand je vais rentrer, on va régler ce problème. Ils ne sont pas arrivés. Donc c'est deux projets différents. C'est deux projets différents. Ce qui se passe à Séchi, c'est le volet hydraulique urbain. Comme le préfet a dit, forage, château d'eau, station de tout, ça c'est le volet urbain. Donc, comme vous avez dit, je vais noter, arriver là-bas, je vais appeler le batteur. Merci beaucoup. Séchi, merci gouverneur. Merci des paroles rassurantes que vous venez de nous donner ce matin. Et nous espérons que les choses vont se réaliser comme il se doit. Pourquoi? Parce qu'à Séchi ici, quelquefois, on vient, même les îles de forage qui ont été faits, il y a eu des pousses, des premières pierres, des châteaux qui ont été faites. Mais jusque-là, on n'a pas encore eu de l'eau. C'est pour cela que je rejoins un peu le pasteur, pour que l'équipe technique puisse nous situer. La première étape qui est l'étude qui est en train de se faire, ça commence quand, ça finit quand. Parce que je sais que tant que l'étude n'est pas terminée, les techniciens, ceux qui doivent même venir faire le château, ne pourront pas venir. Nous voulons être vraiment situés sur ce point. Je vous remercie. C'est vrai, il peut y avoir un tour de pédagogie. Mais ce projet précis, le marché a été signé. Je ne sais pas si vous avez vu à la télévision. Le ministre de l'Hydraulique l'a signé le marché hein, avec une entreprise israélienne. Le marché a été signé. C'est-à-dire, il n'y a pas de doute. Le financement est prêt. Donc, on ne peut pas venir tomber sur le terrain, commencer à creuser partout. C'est à cause qu'on a confié. Parce que tout projet de développement, il y a des principes. Il y a toujours un volet étude d'impact environnemental. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Donc, je peux vous rassurer, il n'y a pas de doute à cela. Poser les premières pierres. Nous sommes dans la phase pratique des choses maintenant. Avec le président Ouattara, il faut être pratique. Et il faut aller vite et bien faire les choses. Ce n'est pas un slogan de campagne, c'est des réalités. Monsieur Asseke, vous conviendrez avec moi qu'aujourd'hui,
on a un ministre en charge de l'hydraulique. Ça au moins, tout le monde peut dire, c'est vrai. Donc, comme il a dit, les financements sont bouclés. Si on commence déjà, vous avez eu la pause de la première pierre, est-ce que vous avez fait une réunion pour une étude d'impact environnemental? Donc, vraiment, si vous voulez des Saint-Thomas, vous devez voir, vous avez vu. On est venu et on va faire le travail. Nous sommes des techniciens à la cause du développement. Et ce développement-là, je vous l'ai dit, vous allez l'avoir. L'étude d'impact environnemental est éminemment une étude importante. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, et on rentre dans la norme internationale, vous ne pouvez pas faire un travail, quoi que ce soit, si vous n'avez pas essayé de voir quel est l'aspect de ce travail sur l'environnement. Parce qu'on parle de développement, mais on parle de développement durable. La réponse à la population à propos de votre enquête. Mais c'est pas qui va dire je veux pas de l'eau. C'est pourquoi je dis à mon commandant que j'aime l'intervention de mon commandant supérieur. C'est du direct. Quand on ne peut pas donner, nous on ne donne pas. Mais il y a non. Donc au niveau de l'enquête, toute la population de Séchi dit qu'il y a l'eau chez eux, il y a de l'eau sur le sol. On nous a dit qu'il y en a plein. Ça peut servir de passer jusqu'à Agboville, mais Abidjan. Le problème le plus important, c'est maintenant les zones nécessiteuses. Nous avons plein de populations qui sont dans les grands campements où il n'y a pas de l'eau. Je crois, moi, à mon niveau, c'est la violence que je veux faire. Je veux citer des grands campements, vous allez mentionner, comme ça, prochainement, vous allez mettre ça en prélude pour les gens qui demandent. Sinon, pour ceux-ci, il n'y a plus de problème. Alexandre, je suis le président de la mutuelle de Séchi. Je voudrais faire une contribution, puisque on est, j'allais dire, au moins des questions et puis des contributions. Je voulais, avant d'aborder cela, dire merci au gouverneur et à sa délégation. Je dis merci parce que, franchement, on a bataillé. Je voulais que le gouverneur transmette nos remerciements au gouvernement. Au premier ministre, on a écrit au premier ministre et il a transmis. Je suis vraiment ému. Il a transmis au ministre de l'Hydraulique. Aujourd'hui, ils nous ont dit le premier trimestre de l'année 2020. Aujourd'hui, je me rends compte vraiment que c'est vraiment respecté. Et je voudrais qu'on acclame vraiment. Vraiment, transmettez nos remerciements. Ce que je voulais dire par la suite, c'est qu'il y a eu deux forages. Vous aurez le temps de constater. Là-bas, il y a eu un premier forage qui avait été fait. Bon, on dit c'est bouché. Maintenant, à côté, il y a un deuxième forage où l'eau a vraiment jailli. Voilà, c'est à cet endroit-là que c'est un peu en hauteur. C'est là que nous voulons que le château d'eau soit posé. Parce que dans les renseignements, on nous a dit quand c'est en hauteur. Donc, vous aurez le temps de voir. Maintenant, il y a aussi la carrière où il y a quand même le chemin de fer à sortir du granit. Il y a une source d'eau là-bas qui peut aussi servir. Donc, vous aurez l'occasion de jeter un coup d'œil là-bas, voir. Et puis, il y a un peu de cours d'eau ici qui se jettent dans la Niébi. Voilà, les Asoko et autres. Bon, ce sont de grands cours d'eau. Vous aurez le temps de voir cela à côté de ce qui est à Bangué. Donc, ce qui serait le plus avantageux pour nos populations, je pense qu'on va souscrire là-dedans. Donc, merci beaucoup. C'est Soumaoro Ferenoussa. Voilà, monsieur Soumaoro. Oui. Vous êtes le président de... Je suis le président des opérateurs économiques en tant que président de commerçants. Alors, aujourd'hui, le gouvernement vient vous donner de l'eau. Oui. Est-ce que vous êtes content? Nous sommes très très contents. On attendait ce moment-là depuis très longtemps. On a fait beaucoup de démarches malheureusement et les démarches ont abouti enfin. Et que toute la population est heureuse. Alors, qu'est-ce que vous dites au gouvernement? Nous remercions le gouvernement, monsieur le président de la République et son premier ministre. Et nous remercions aussi
le préfet de région, ainsi que tous ses collaborateurs. Et vraiment, on souhaite que ce programme, ils ont venu nous annoncer, que ça soit effectivement réel. Et donc, un avis favorable. Pour le focus group des jeunes, le résultat est favorable. Le focus group des femmes, nous avons recueilli également un avis favorable. Le focus group des personnes âgées, un avis favorable également. Et puis nous avons fait la consultation, donc qu'on appelle la consultation publique, de manière classique. Nous avons recueilli 34 questionnaires et 34 avis favorables au projet. À mes parents, je leur dis merci de leur patience. Vous y arrivez. Donc, je crois qu'ils doivent s'approprier pour aider l'entreprise qui a bien fait les travaux, les aider pour que les travaux finissent dans de très bonnes conditions. Souria, est-ce que vous avez quelque chose à dire avant de prendre le... Au cabinet 2D Consulting, dit merci à l'ensemble du corps préfectoral, dit merci au gouvernement, au Premier ministre et au chef de l'État. Et au nom de tous mes parents, les remercier du plus profond de notre cœur et leur dire que nous attendons véritablement et cela incessamment que l'eau jaillisse de nos robinets, comme a dit Madame le sous-préfet. Merci. Les membres en question, votre calme, sachez une seule chose. L'État de Côte d'Ivoire est au travail pour ses populations. Elle, dans les hameaux les plus reculés, le développement va s'installer. Et le développement s'installera. Et le développement est déjà installé. Notre pays doit être un pays émergent. Vous ne pouvez pas être un pays émergent quand les habitants de ce pays ont soif. Ici à Séchi, on va dire stop à la soif. Vive Séchi, vive le développement. Je vous remercie. Gouverneur, je voudrais avoir quelques mots de vous. D'accord. Alors vous sortez d'une avec les populations de Séchi. Et sur quoi emporte cette consultation et quel est le mot du représentant légal du président de la République que vous êtes ici à l'endroit des populations? Alors, nous sommes venus aujourd'hui pour faire une consultation publique afin de doter Séchi d'une station de traitement d'eau et pour approvisionner Séchi en eau potable. Vous savez, il y a près de 200 sous-préfectures qui sont dans ce programme. Et il y a 95 sous-préfectures dans la première phase. Et la région de la Yébi-Kassa a deux sous-préfectures, celle de Séchi et celle de Pakobo. À terme, il s'agira de doter ces deux sous-préfectures de châteaux d'eau afin que les populations aient à leur disposition de l'eau, comme cela se passe dans toute la Côte d'Ivoire. Donc il était important, comme le veut aujourd'hui tout projet de développement, qu'il y ait une enquête pour déterminer l'impact social sur l'environnement et sur la population. C'est cette étude-là qui est lancée. Mais dès qu'on lance déjà cette étude, ça veut dire que nous sommes de plein pied dans le projet. Notons déjà qu'à Séchi, il y a des forages qui ont été faits. Il s'agira pour la société, rapidement, de voir comment approvisionner le maximum de personnes en eau potable en installant une station de traitement et une station de retenue d'eau, c'est-à-dire un récipient, notamment un château d'eau, et c'est ce qui va se faire sous peu.
Donc nous avons été témoins de l'approbation des populations, ce qui laisse à dire que la Côte d'Ivoire, malgré la maladie, est en marche. Oui, mais vous savez, la COVID-19 a peut-être entraîné juste un petit arrêt, mais les travaux ont toujours continué. C'est les populations, nous sommes en train de se battre et nous leur disons toujours de respecter les mesures barrières afin d'éviter que cette maladie-là ne se propage. Mais le développement lui-même n'est pas arrêté. Ici aujourd'hui, vous êtes à Séchi, vous voyez déjà les travaux qui sont en cours. Séchi est en plein chantier, c'est le bitumage de la route Séchi à Gobile, c'est le bitumage même à l'intérieur même de Séchi. Et aujourd'hui, vous venez d'assister avec moi le lancement des travaux pour l'adduction de cette sous-préfecture en eau potable. Au-delà de l'eau de l'hydraulique urbaine, il faut noter aussi qu'il y a l'hydraulique villageoise. Hein, les pompes à motricité humaine sont en train d'être réparées. C'est plus de 20 000 pompes qui seront réparées au niveau de la Côte d'Ivoire. Et Séchi fait partie, avec l'ensemble des autres sous-préfectures, de ce vaste programme de l'eau potable en Côte d'Ivoire. Merci à vous, gouverneur. Quel est le sentiment qui vous anime aujourd'hui? Je ne peux pas dire que je suis heureux, mais chaque fois plus heureux. Parce que nous avons vécu cette situation, surtout pendant la France sèche, le problème d'eau, à Séchi. C'est vrai, il y a des quartiers qui ont la facilité d'avoir de l'eau, mais ce n'est pas tout le village. Alors, je pourrais quand même dire que c'est vrai, je suis très heureux. Et je salue tous les esprits qui ont concouru que nous, ce rêve soit une réalité. Vraiment. Je sais que le village de Séchi, la situation de Séchi, est encore bien vue par toutes les autorités qui dirigent le pays. Je leur dis encore une fois, merci que le Seigneur le bénisse. J'ai bien envie de dire que vous, à Séchi, vous avez tout eu, vous avez eu le but. Non, vous avez tout eu quoi. Nous, on a été lésés. On ne pensait même pas que. Tous les régimes, vous voulez dire. Tous les régimes d'ailleurs. Bon, celui-là, nous ne nous a pas oublié, au contraire, nous a favorisé 4 fois. Vous avez dit que les anciens régimes vous ont oublié. Non. On ne parle pas de régime parce que je dis qu'on nous avait lésés. Même avant qu'on partait aux régions, pour que la serre, les gens, les camions viennent ici, c'était difficile. C'est une opportunité. Bon. En tout cas, ouais. Maintenant ça va. Maintenant, on nous compte parmi tous les gestes de développement. Il y a la route, il y a l'eau qui vient, il y a beaucoup de projets qui sont ouverts à nous. Donc, je peux dire que le régime actuel, en tout cas, on nous prend en compte. C'est vrai. Même si les autres. Nous, ça, mais toutes les réalisations sont faites à ce nouveau régime. Je ne peux pas me démentir, mais ce qui est réel, c'est ça. Ok. Quoi, me baptiser François. Alors, votre cri de cœur, votre joie, c'est la joie de tous les villages de la sous-préfecture de Séchi. Mais oui. C'est pas seulement Séchi. Parce que le premier, c'est temps. Séchi, nous, même Bangué et tout. Ils vont profiter. Donc c'est pour toute la région, enfin, pour toute la sous-préfecture de Séchi. Oui. Ok. Mm-hmm.